Bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le jeu Aquarist. Alors comme dit ce que j'ai fait, j'ai un petit peu continué on va dire. Vous voyez, j'ai rajouté plein d'étagères partout. Ici aussi il y avait deux aquariums, là il y en a encore un d'ailleurs. Là j'ai encore des étagères ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai enfin les 10 000 dollars qu'ils voulaient, donc j'ai 10 519. Plutôt pas mal, donc là on va pouvoir avoir notre exposition d'aquariophilie. C'est plutôt cool. Alors regarde au niveau des poissons. J'en ai beaucoup maintenant parce qu'en fait je les laisse se reproduire et ensuite je les revends. Ce qui est un petit peu plus rentable que vendre aquarium par aquarium. Hein, parce que si vous vendez une dizaine de poissons, vous pouvez largement avoir 600, 700 balles. Ça dépend le type de poisson. Alors moi je fais plus de l'élevage en fait. Regardez, j'ai celui-là et celui-là. Là j'ai mis un fond noir avec un petit château éclair en rouge. Là du blanc, du vert. Enfin vous voyez, plutôt stylé. Donc ce que je vais faire avec vous tout simplement, on va aller acheter notre exposition d'aquariophilie. On est parti, donc là on était magasin de la cave, exposition. Voulez-vous acheter pour 10 000? Oui. D'accord. Et là, on y va. Voilà. Sauvegarder, impeccable. Ah ouais! Bienvenue à l'exposition d'aquariophilie. Préparez de beaux aquariums pour que l'exposition attire davantage de visiteurs, ce qui vous rapportera encore plus d'argent et augmentera votre prestige. Bonne chance. Ok. Là, l'établi achète en première. Ouah, wow, c'est immense! En fait, c'est toujours pas notre boutique, quoi. On devait encore préparer des aquariums. Regardez-moi ça, c'est vraiment bien fait. Bon, ils sont tous vides, apparemment. Ouais, ça doit être que de la déco. C'est bien fait. Donc là, je fais juste le tour avec vous, hein, histoire de voir un petit peu. On peut accéder, non? Ok. Oh, c'est immense. C'est juste immense. Regardez-moi ça. Alors, va à l'établi. Ouais, on va y aller. Je pense que c'est la table là, non? Non? D'accord. Oui, il est établi. Il y a un petit peu des cartons qui traînent. L'établi. Ok, j'ai trouvé les amis. Il suffit d'appuyer sur tab, acheter un aquarium et il apparaît directement ici. Alors indique le temps qui vous reste jusqu'à l'ouverture d'exposition. D'ici là, essayez de décorer votre aquarium le plus joliment possible. Ok. Donc vous voyez, il faut appuyer juste tab, acheter l'aquarium et puis il apparaît directement là, quoi. Voilà. Donc, ce qui est toujours dommage, c'est qu'il faut racheter à chaque fois les outils et tout. Ça, honnêtement, ça m'embête. On avait tellement de choses avant et puis on se retrouve à acheter 10 fois la même chose. Donc là, il me faut de la terre. Je vais prendre une terre foncée pour une fois. Allez, pour changer. Voilà, on est reparti pour de la décoration. Là, ça ressemble fortement à la cave, à part qu'on est dans un nouveau lieu, j'ai l'impression. Je vais juste voir ce que ça donne par la suite. J'espère que ça va pas devenir trop répétitif. À voir. On va déjà préparer un petit aquarium avec des poissons d'eau salée. Peut-être c'est plus stylé, je trouve. Donc là, est-ce qu'on peut acheter une étagère pour ranger notre matériel? Oui. Donc vous avez vu, maintenant, on peut enfin ranger le matos. Dès que vous achetez une étagère pardon, pour ranger votre matériel, il suffit de cliquer, le matériel il va dessus, tout simplement. Donc là, il me faut de nouveau un seau. J'aurais préféré avoir un système de tuyaux là qu'on puisse directement relier à l'établi. Ce serait vraiment pas mal, ça. Alors... verser l'eau, voilà, on peut vraiment que verser. Ok, on sait qu'il y a peut-être une chance qu'on puisse remplir directement avec un tuyau, que toujours acheter un seau et le remplir manuellement. Donc voilà, on est reparti pour un remplissage. Donc on va faire un aquarium ensemble comme d'habitude, hein, le décorer, mettre ce qu'il faut dedans et voir ce que ça donne. Si vraiment c'est la même chose, je pense que je m'arrêterai là-dessus avec la série, hein, parce que je vais pas vous bassiner, j'ai envie de dire. C'est un parfait genou, mais 10 fois avec la même chose, tout simplement. Parce que moi, je m'attendais vraiment à avoir ma boutique et gérer comme j'ai envie, mais là, le jeu, il nous fait que... Donc, une boutique à la cave, je veux bien, mais bon. L'exposition, voilà. J'aurais préféré vraiment attaquer ma boutique et faire ce que j'ai envie de faire. Alors, je sais pas si ça va être après ça ou pas. On va le découvrir. Donc, voilà, on va acheter, donc, comme d'habitude, hein, le thermomètre... Donc là j'ai vu qu'il y a deux types, hein. Il y en a à 30$ et un à 45. Moi je prends toujours le meilleur pour être sûr. Pareil pour les thermoplongeurs, il y en a 18 et 24, je prends celui-là 24. Et le thermomètre c'est pareil, 20 et 15, donc celui-là 20. Voilà. Donc on va partir sur une petite décoration vite fait, bien fait. Juste histoire de voir comment ça se goupille leur histoire d'exposition là. Le petit filtre,
mettre ici. On va activer. Alors, vu que je vais mettre des poissons de... poissons d'eau salée, je pense que je vais déjà mettre directement du... genre 26 degrés à peu près. Comme vous le savez, ils veulent une bonne température. Donc, qu'est-ce qu'on a en type de poisson? Eau salée. Les espèces de poissons clowns. Chirurgien bleu, on a déjà vu. Ah, ça, c'est joli, ça. Apagon. Ouais, jusqu'à 28 degrés. Ok, on va les prendre bien grands. J'ai combien de 2300? Voilà. Je vais en acheter 5. 330. Magnifique. Donc j'ai découvert également qu'on peut prendre directement plusieurs poissons en même temps en appuyant sur E à chaque fois. Je crois qu'on peut en prendre jusqu'à 7 ou 8 si je dis pas de bêtises. Vous voyez? Après ils sont pas contents. Ah oui, c'est, il faut de l'eau salée. Oula, faut que je me dépêche. Je me suis dit, il y a un problème. Vite, 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 vite. Avant que les pauvres petites bêtes ne meurent. Oui. Voilà, ils sont contents. Cool. Ça c'est bon. Ensuite je vais prendre comme type de poisson un truc un peu coloré comme ça. 23 et 27, non ça m'arrange pas trop la température. 23 et 28, oui ça s'appelle pas mal. Donc je vais en prendre des bien grands. Allez, je vais en prendre 6. Voilà. Il est temps d'ouvrir. Ah déjà ? Mais attends, t'es sérieux ? J'ai même pas eu le temps de terminer mon aquarium. On va faire ce qu'ils veulent. Ouais. Voilà, c'était une blague, c'était beaucoup trop rapide. On n'a pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. En plus, il y a des cartons qui traînent et tout, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Donc on va ouvrir, voir ce que ça donne. Est-ce qu'on aura une image fixe? On dirait bien que oui. Ok. Mais il n'y a personne quoi. D'accord. Il n'y a personne. Nombre de visiteurs, 0. Bah oui, bah forcément. Ton premier jour à l'exposition de Corifée est derrière toi, travaille sur ta gomme pour les rendre encore meilleurs. Jeter les déchets laissés par visiteurs dans la poubelle. Exposition propre égale plus d'argent. Oh non, c'est reparti. Oh là là. Et c'est nouveau pareil, on va devoir nettoyer tout ça. Et puis, c'est toujours la même rengaine quoi ce jeu finalement. Je suis désolé, mais là je suis un petit peu déçu. Donc, vous avez vu, il n'y a personne qui est venu, mais j'ai des paquets de chips par terre. Totalement logique. Ah ça y est, un nouveau niveau, des nouveaux décors, des nouveaux poissons. Ok. Donc je vais un petit peu ranger tout ce qu'il y a autour et je reprends à nouveau pour la déco de mon aquarium, hein, tout simplement. Ok, c'est tout propre. Alors j'avais une petite notif, je vais vous montrer tout de suite ce qu'on peut faire. On peut retourner dans la cave et continuer à préparer des aquariums pour gagner de l'argent ou on peut aller tout de suite à l'exposition parce que par la suite il nous faudra donc 40 000 $ pour débloquer un océanarium. Donc voilà, je pense que ça pourrait être quand même vachement stylé de voir à quoi ça ressemble, hein, finalement. Mais je m'attendais à notre propre boutique, un petit peu déçu encore une fois, mais bon. Voilà, donc ce qu'on va faire, ben, je vais peut-être continuer cet aquarium avec vous. Et comme dit, on peut accéder à la cave pour continuer à gagner de l'argent. Donc la cave, on va pas y aller, hein, parce que c'est la même chose que la dernière fois. Hein. C'est la même chose que la dernière fois, donc le type de poisson là, il a besoin de quoi? Alors de la végétation, décoration, beaucoup, on va mettre un petit peu de déco. Alors, ben, c'est ce qui est cool, c'est qu'on a des décorations vachement stylées, une vieille ruine. Je vais la prendre en grande taille. Voilà, peut-être pas immense, mais assez grande quand même. Voilà. Hop. Mettre ça à l'intérieur comme ça. Ça, ça devrait aller. Pardon les poissons, vous me gênez un peu là. Ils me gênent un petit peu. Ouais, ils me gênent un petit peu. Peut-être qu'il est trop grand aussi, alors attendez, je vais faire un truc, c'est tac. Il va le diminuer, voilà. Comme ça, on est sûr qu'il rentrera. Voilà, donc une vieille ruine. On va mettre un petit coffre-fort là, je trouve vachement stylé. Alors, coffre à trésor. Ouais. En dehors comme ça. Acheter. Par contre, ça coûte très cher. Hein. Ça coûte très cher, hein, mon ami. Donc, c'est un petit peu de travers comme ça. Voilà. Un petit peu de plantes partout. Alors, nous, on est en eau salée. On fait bien attention de mettre correctement l'eau salée, quoi. Des petites algues de couleur rouge. Voilà, j'en ai acheté deux. Et des algues comme ça, si là, comme cela, comme ceci, comme cela, ouais, full, t'as raison. Et en taille comme ça, voilà. Ça devrait être pas mal ça. Comme ça, ils sont contents, les petits poissons. Alors, je suis pas très bon en déco, hein, je fais un petit peu, voilà, juste pour qu'ils sont contents. Voilà, rien à voir où je l'ai mis le truc. Si ça va. Petite plante au milieu là. Voilà. Vers l'arrière.
Impec, ça dépasse pas la corne, c'est joli. Est-ce qu'ils sont contents? Végétation, oui, ils sont contents. Décoration, pas encore. Donc je vais rajouter peut-être des petits coraux là. Hein. Des petits coraux stylés. Alors qu'est-ce qu'on a? Pas mal de choix maintenant. Alors étoile de mer, ouais. x2 direct. Ensuite des petits trucs bien colorés comme ça. Ça fait un petit peu. Non, pas trop, non. Il y a le choix. Hein. Ah, ça, ils sont beaux en bleu. Les premiers là, je les aime bien, ils sont vachement colorés ceux-là. Voilà, j'en ai acheté 4. Ok, alors petite déco vite fait, on essaie d'ouvrir l'exposition. Oula, ils dansent un petit peu les objets. Bien sûr, vous pouvez mettre les objets en travers comme vous voulez, quoi. C'est vous qui décidez. C'est maintenant, je le mets là, regardez, il se met en travers. Donc là, on a une petite boule bleue. Ça a l'air joli, ça. Oui. On dirait des petits sapins de Noël. Petits sapins de Noël, voilà. Un petit peu caché, mais c'est pas grave. De toute façon, il y en a 4, donc voilà. 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 Et pour finir, voilà. J'avais encore des algues ici. Petite boule bleue vers là. Là, il n'y a plus rien. Ok. Ben voilà, ça a l'air plutôt pas trop dégueu. Alors, je vais encore acheter un fond à l'arrière hein, pour décorer. Un fond bleu, peut-être? Non? Un fond bleu, comme ça on met des lampes vertes peut-être, ou un truc comme ça, ou bien du vert. Un fond bleu, peut-être, je vais essayer un fond bleu. Je vais essayer un fond bleu. Eh, il est mon fond bleu. Par contre, j'ai entendu qu'il me l'a facturé, mais je l'ai pas vu. Petit bug. Voilà, ok. Ah, il est bugué dans la table, ok, d'accord. C'est pas grave. Par contre, ouais, là, pour le mettre, ça risque d'être un petit peu embêtant, ça, non? Ou bien? Est-ce que je vais y arriver par là? Non? Maintenant, l'outil est là, ok. Alors, attendez, si je le pose, je prends l'aquarium et je le mets là-dessus. Voilà. Je dirais que ça peut le faire. Bah là, il n'y a pas besoin de fond bleu. Hein. Il n'y a pas besoin de fond, parce que du coup, les gens... Non, non, je vais pas mettre de fond, du coup. Tant pis, j'ai dépensé de l'argent pour rien. Je peux pas jeter, là, s'il vous plaît? Non, on pouvait jeter les affaires, c'est quoi ce délire? Ah. Bon. Si tu veux, c'est pas grave. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'il est assez sympa. Mes petits poissons, ils sont contents, regardez, ils sont tous contents. Et les autres là, ils sont contents aussi ou pas? Viens là. Hein, ou... Non, ils sont pas contents, il manque la végétation. Encore. Je vais vous en mettre, hein, pas de problème. Je vais vous rajouter des... Des algues, allez. 2. Est-ce qu'on peut décorer tout de suite d'ici? C'est la question. Oui, nous pouvons. Excellent. Voilà, donc ça ouvre à 14h. C'est magnifique. Ça va être juste l'heure d'ouvrir. On va voir ce que les gens y pensent de notre exposition, les amis. Voilà. J'arrive. Donc, dommage que j'ai pas pu jeter les fonds bleus. Mais bon. Il y a de nouveau des déchets alors que j'ai tout enlevé. Ok. Même là-haut, regardez du carton. D'accord. Allez, on ouvre. Voilà. D'accord. C'est vraiment dommage, un système d'animation en image comme ça, mais bon. Argent gagné 541, mais qu'est-ce qu'ils ont acheté? J'ai pas compris. Ah oui, peut-être que les billets d'exposition, d'accord. On gagne beaucoup moins que dans notre cave. Hein. Franchement, on gagne beaucoup moins. Alors, il y a les 2-3 déchets, là. Et ils ont pas acheté les poissons, en fait ils regardent juste, d'accord. Peut-être que je les nourris aussi, les pauvres bêtes. Juste acheter de quoi les nourrir. Donc, c'était où encore? C'était là, voilà. Voilà, donc je suis désolé, hein, cette semaine il y a eu énormément d'aquaristes, mais j'ai vu que ça vous plaisait, et puis moi aussi, hein, franchement, c'était vraiment, vraiment sympa. Donc, je vais mettre 3 parce qu'il y en a quand même une bonne dizaine de poissons. On peut ranger ça là-dessus maintenant. Voilà, je vais juste faire un tour dans ma cave là. Non, c'est la porte d'entrée. Juste faire un tour. Ou tout simplement m'occuper de mes poissons, hein, parce qu'à mon avis, ils sont dans un état. Sauvegarder, ok. Ok, alors il y a eu une espèce de micro-crash, c'est revenu et du coup, j'ai gagné 2308, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus entre temps? On dirait bien. Ok, oh ben, on va à nouveau remplir. Donc je vais à nouveau passer un peu de temps dans ma cave, histoire de... Dommage qu'on peut pas prendre ces aquariums pour les ramener à l'exposition. Ça aurait été aussi stylé. Bon, ce n'est pas grave.
Je vais continuer comme ça. Je vais remplir mes étagères. Alors encore une fois, là, j'étais un petit peu déçu, hein, pour le... Je pensais vraiment qu'on allait devoir s'occuper de notre boutique, mais bon, finalement, vous avez vu que c'est beaucoup de choses déjà préfaites, hein, j'ai envie de dire. C'est assez linéaire, quoi. C'est assez tracé, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, ça reste sympa quand même, faut dire ce qui est pour le prix. Je crois qu'il fait seulement promotion 7 € et des poussières, donc honnêtement, pour le prix, oui, ça peut le faire. Donc là, eux, ils vont bien ou pas? Je regarde juste, non, ils sont pas contents, la faim, ça va. Température, ouais, c'est limite la température. Végétation, ils sont pas contents. En fait, les gens, ils achètent aussi les pièces d'aquarium, hein, donc les plantes et tout ça. C'est peut-être pour ça qu'il manque de nouveau de la végétation. Ok. Bon ben voilà les amis, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour cette découverte de l'aquariophilie. Alors honnêtement, je m'attendais un petit peu à mieux, c'est pour ça que je pense que vous le remarquez dans ma voix, je suis un petit peu plus, je vais pas dire blasé, mais je vais dire un petit peu pas trop content, hein, tout simplement. Je m'attendais à quelque chose un peu plus de fou, quoi. Mais bon, voilà. Donc, vidéo peut-être un petit peu courte, mais c'était vraiment juste pour débloquer l'aquariophilie. Alors n'hésitez pas quand même à me dire si vous voulez voir ce que c'est ben, l'océanarium. Peut-être juste voir ce que c'est et puis voir ce qu'il faudra faire là-haut, tout simplement. Donc pour me le faire savoir, pardon, c'est comme d'habitude, hein, le petit like fait plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner si mon contenu vous plaît, forcément. C'est pas forcé, hein, c'est vraiment que si ça vous plaît, voilà. Moi je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle aventure. Gros bisous les amis, portez-vous bien. Allez, à plus, bisous, ciao, ciao!